Salut. Moi, c'est Nico, des Tortues Cartouvres. Salut à tous, moi c'est Cécile et on vous partage les projets dingues de Nico. Bon, voilà, dans cette vidéo, eh ben, on va continuer les travaux sous camping-car. Ça va être sur la peinture de l'intérieur du camping-car. Et puis, j'ai attaqué le revêtement de sol. Donc, je vous laisse regarder la vidéo. On vous met un petit résumé pour vous présenter ce qui a déjà été fait sur camping-car. Au fil des voyages, on a appris le quotidien dans un espace réduit et à savoir ce que nous voulions comme aménagement. Qu'à cela ne tienne, Nico alors décide de se lancer dans l'autoconstruction et aménagement de son véhicule. Depuis, nous publions des vidéos sur la rénovation de notre troisième camping-car. Et celui-là a été détruit et reconstruit de ses mains. Nico a toujours besoin de relever des défis et adore se lancer des challenges. Toujours plus loin et plus haut. Plein de rebondissements et surtout de durs labeurs. Call me out, tiger. Call me out, why don't you love? Lift me up higher, above the clouds, won't you love? When the scenery is right, go right in. I wanna fall deep within. Don't leave me hanging just 'cause I'm too proud. Whisper away my outdated doubts. Somebody do me the courtesy, dress me down. I'm not that old yet I'm far too young to not stand my ground. But my ways are mine and I don't wanna change, not even for love. Now take back all them hard words. I'm a grown woman with confidence and sense. Me in the middle, I'm a riddle. Figure
looking quite beige. Got me deep in the haze. There's no more compassion, no. Donc on a pris un Alino imitation parquet, bois foncé, un peu style marin. Voilà, mais histoire de donner un peu de couleur dans le camping-car. Bon bah je vous laisse regarder l'installation du revêtement de sol. Next to me, think about all the time I think of.
is real. Maybe we should hurry up and seal the deal. Pas en blanc. Enfin, j'ai fait la pose du lino. Voilà. Donc, cette étape est faite. Après, il me restera donc mes meubles à monter à l'intérieur. Mais avant ça, on passera à l'extérieur. On souhaite aussi vous remercier. Alors, on ne va pas tous vous énumérer parce que vous êtes nombreux à nous laisser des commentaires. Mais comme Seb ou Jacques, le Belge, pour vos commentaires, en fait, qui nous aident à avancer aussi dans notre cheminement, dans notre réflexion, et voire même à réfléchir autrement à l'avancement et à la configuration de Tracassou. Donc, merci à tous. Bon, salut à tous, pour une prochaine vidéo. On vous remercie pour tous vos commentaires bienveillants et sympathiques. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche, mettre des petits pouces, ça fait plaisir et motivant. On a un compte Insta pour les infos en live. Pensez à partager nos vidéos.